prétérition. C'est quand tu dis que tu vas pas dire un truc au moment où t'es en train de le dire. T'as fermé sa gueule. Ouais, c'est sûr. C'est pas possible. Je croyais qu'elle était lesbienne. Là, je te jure, meuf, mec, elle doit coucher avec tout ce qui bouge pour que ça lui arrive. Oh, c'est chaud. Ouais. Je croyais que c'était que les mecs gays qu'il avait. Pléonasme, ça c'est trop facile. Ça, c'est deux mots qui suivent, mais qui veulent dire la même chose. Puis, c'est plus grave, maintenant il paraît, tu prends un médicament une fois et puis c'est fini. Alors t'as plus rien. Attends, faut parler de qui là? Putain. Bilal, tu vas où? Joe! Quoi? T'es venu pour me parler de Mathéo? Te fatigue pas, il m'a déjà tout raconté. Hein. Écoute, franchement, je sors de mon oral de français, là, j'ai vraiment pas la force d'entendre ta version, tu vois. Et d'ailleurs, je m'en fous un peu même. Ok, non, mais c'est pour te parler d'autre chose. Ton oral de français, ça s'est passé comment? Tu t'es tombé sur quel texte? Phèdre, tu joues à quoi, là? Bon, j'y vais, ok. Non, attends, juste, ça va? Y'a personne qui t'a rien dit? Mais il dit quoi? Joe, désolée de vous déranger. Est-ce que je peux récupérer ma montre, s'il te plaît? Parce que je suis la prochaine à passer. Merci, tu m'as sauvé la vie. Y'a pas de problème. Faut que tu la désinfectes avant, par contre. T'as dit quoi, là? Non, mais meuf, c'est pas le corona, hein. Ça s'attrape pas comme ça. Non, de quoi tu parles? Non, non, mais laisse tomber, Joe. Te prends pas la tête, ok? Les gens sont bêtes. Ah ouais? Bah, tu viendras pas te plaindre quand tu choperas le sida.